Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment flouter sur Filmora 9 une zone définie. Alors, soit la zone sera statique, comme ici sur la première partie, soit elle sera en mouvement. Vous allez voir qu'en fait, la méthode restera la même, sauf qu'il faudra forcément un peu plus de complexité pour la scène en mouvement. Pour ce qui est de la scène fixe, c'est relativement simple. On va aller dans Effets, dans Filtre, on a Utile. Et comme on va aller chercher le Face-Off pour flouter un visage, on va juste en dessous. On clique sur Mosaïque, on fait un petit plus. Et là, on va voir qu'en fait, il nous crée une zone définie. Donc avec un clic gauche, dans la zone, on peut la redimensionner un peu comme on veut. Et donc là, moi, je vais cacher mon code à cacher. Qui est là mon code secret à flouter, hop, j'étends tout le temps que je veux que ça dure, et voilà, j'ai flouté tout simplement ma zone. Donc, sur du fixe, c'est assez simple. Maintenant, on va essayer de flouter sur un objet ou une scène en mouvement. Donc, déjà, on va agrandir la zone, et en gros il faut choper à partir du moment où votre partie que vous voulez flouter apparaît. On refait mosaïque, on va la réduire et on va la déplacer. Donc double clic gauche. Et là, donc, on peut la réduire. Si vous voulez l'élargir, vous pouvez. Ce ne sera pas un problème. Donc là, on voit qu'à partir de là, elle commence à sortir de la zone. Donc on va remettre une mosaïque. Pareil, on va... Donc bien sûr, il faut que les mosaïques soient collées les unes aux autres parce que sinon vous aurez un trou dans votre floutage et du coup, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc là, je vais agrandir la zone de floutage. C'est juste pour vous montrer. Et voilà, donc forcément ça prend beaucoup plus de temps. Après, on peut plus on mettra de mosaïque et plus ce sera fin, mais le résultat final est quand même pas mal. Voilà pour ce qui est de ces deux méthodes pour flouter une zone fixe et une zone en mouvement. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt!